je suis auteur de romans policiers. Romans policiers à la fois historiques et ruraux. L'idée, c'est avant tout de revisiter un peu le roman policier en essayant de lui donner des cadres un peu différents du roman policier classique. Sortir un peu de l'urbain, sortir un peu de, aussi du contemporain, en travaillant sur l'entre-deux-guerres et sur à la fois les transformations de la société dans les années 20 et aussi la mémoire de la guerre de 14. Comment on vit après un conflit comme celui-là, comment on survit, comment on se reconstruit, comment aussi on fait face à un monde qui est en train de changer, et tout ça dans un cadre rural, ce qui tranche un peu par rapport à l'ordinaire du roman policier. Les influences, c'est davantage le roman policier contemporain, plutôt italien, avec par exemple Andrea Camilleri, mais aussi influencé par Leonardo Padura à Cuba. Voilà. Le dernier livre s'appelle Casque à pointe. Dans ce livre-là, je m'attache à travailler sur les dérives de la guerre de 14, en particulier les fusillés pour l'exemple, les condamnations un peu excessives parfois de l'armée, et aussi les gens qui sont condamnés au bataillon disciplinaire en particulier, qui arrivent ou pas à échapper évidemment à ce destin. Voilà. Merci. Je sais pas.